Bonjour tout le monde et bienvenue pour ce nouvel épisode du Let's Merde. Aujourd'hui, on joue à D&Co, ta maison de rêve en 7 jours. On lance le jeu tiré de l'émission de M6. Bien sûr, tout le monde connaît cette émission, je pense. Et il est déjà... En termes de sonorité, c'est déjà très vibrant. Ok. Ils sont foutus notre gueule là sur Valérie Damido quand même. Nouvelle saison. C'est bizarre, c'est un bug graphique ça ou quoi? C'est quoi ça? Bon, bref. Alors, toujours passer par les options. On va baisser un peu le son de la musique. Microphone. Voilà, je pense qu'on est bon là. Je pense qu'on est bon. Allez, nouvelle saison. En normal, hein. Ne soyons pas petite bite. Ok. On a dit normal. Ok, choix de l'émission. Un pot de colle. Du marteau. Je comprends pas ce que je dois faire là. Je vous avoue. Je sais pas trop ce que je dois faire. Ah oui, d'accord, ok. D'accord, il faut commencer par ça. Ok, d'accord. Très bien. Je ne sais même pas ce qui m'arrive. Alors aujourd'hui, nous rendons visite à la famille pot de colle. Avec deux enfants, ils habitent dans un petit appartement et ils voudraient... un peu de gaieté en route, d'accord Valérie. Oh, bien fait, waouh, cette trois dimensions. Notre chambre, on aimerait avoir de la couleur sur le mur. Nous souhaiterions créer une ambiance très bien chaleureuse et orientale dans les tons rouges. Très bien. Pour le salon, nous voulons plus de murs blancs. L'idée serait de rester dans une ambiance accueillante et orientale. Essaie de répondre aux exigences de la famille pot de colle sans dépasser le budget. Alors, salon. Bah, il faut choisir un truc ou... Attends, couleur rouge, marron, blanc et noir, style oriental. Couleur rouge, marron, blanc et noir. Pourquoi il n'y a pas de majuscule sur le mot noir? Ils sont racistes, c'est ça? Salon, couleur turquoise, marron, or, style oriental. Oh, je m'en souviendrai jamais. Jamais. Conscient la première étape. Nous vidons la maison de tous les meubles dont la famille veut se débarrasser. Allez hop. J'ai quelque chose à faire moi? Non, je ne sais pas. Budget travaux 16 000 €. Budget meubles 3 542 €. Très bien. Nous n'allons pas laisser cette maison aussi vide. Allons acheter de nouveaux meubles à cette famille. Ok. Sélectionne la pièce et allons faire les achats. Attention. Au respect du budget et à la satisfaction de la famille. Ok. Tapis. Merde. Alors attendez. Merde, c'est pour quelle pièce? Ah, mais elle me le dit là aussi les couleurs. Ça aurait été intéressant s'il fallait retenir les couleurs. Mais là, quel intérêt, franchement. Rouge, marron, blanc et noir. Rouge, marron, blanc et noir. Blanc, bah on va prendre blanc. Hein. Et en plus, il est moins cher. C'est quand même formidable. Et en plus, c'est le moins cher. C'est incroyable. C'est quoi ça? D'accord. Bah, un temps, un miroir. Ah oui, d'accord. C'est censé être un... D'accord, style oriental. D'accord, très bien. Nous achetons. Bougie. Oriental. D'accord, c'est oriental partout, en fait. Non. D'accord. Crème, turquoise. Ils ont dit qu'ils voulaient du turquoise? Non, pas de turquoise. Pas de turquoise. Donc on va prendre crème évidemment. C'est logique. Ok. Lit adulte. Rouge oriental. Non mais, enfin je comprends pas l'intérêt du jeu là, en fait. Je veux bien qu'il y ait des gens qui soient fans de l'émission. Mais je vois pas l'intérêt du jeu là. Je me dis que je vais passer un quart d'heure à cliquer sur des trucs en fait. D'accord. 78. Ah, j'ai pas regardé les prix. J'ai pas regardé les prix. Celui-là il est moins cher. Et il est rouge. Il est pas oriental mais il est rouge. Donc voilà. Lampe de chevet. Rose orientale. Ah bah non. Marron. Ils veulent du marron. On est d'accord. Oui, ils veulent du marron. Lampadaire. Ok. Ok, c'est neutre, ça passe, ça passe. Soyons économes. Prenons la lampe à 59 € plutôt que celle à 150 milliards. Ok, buffet. 79 ou 139. De toute manière, là, on se pose pas la question, évidemment.
Okay. Excellente modélisation 3D, hein. Je pense que vous le voyez sur l'écran du haut. C'est assez magique. Ah, attends. Ah, ça, c'est la satisfaction, là. D'accord. Mais genre, on peut faire mieux sur les rideaux, t'es sérieux? Ah ouais. Mais attends, c'est quoi le budget? C'est quoi le budget aussi? Putain. Je connais pas le budget aussi, merde. Bon, on va faire beige oriental, voilà. Oh, ils sont pas contents. Ah non, mais... Ah ouais, mais niquez-vous aussi. Ils sont jamais contents aussi. Non, faut être tout en bas. Ok, lampadaires, ils sont vraiment en vénère. Ah non, style nature, pas neutre, pardon, j'ai rien dit. Ah d'accord, d'accord, voilà. Putain, ils sont toujours pas contents, sérieusement. Ok. Très bien. Dépenses. Il nous reste... Oh putain. On a dépensé beaucoup quand même. Ah ouais, je pense 200 euros de moins, ça aurait été mieux. Sélectionne la pièce et allons faire les achats. Attends, on va revenir dans chambre adulte. Bon, de toute façon, les bougies, qu'est-ce qu'on s'en branle? Franchement, le prix des bougies, bordel de merde. Rideau. Ouais, non, les rideaux, on reste sur les moins chers. Ok. Lampe de chevet. Ouais, non, l'écart de prix est pas important. Lampadaire. Voilà, on prend ce lampadaire là. Voilà. Oh, ils sont pas contents, ouais, qu'ils aillent se faire foutre. Hein. Voilà. Bon, on va aller dans le salon. Voilà. Couleur turquoise, marron, or, style oriental. Voilà, turquoise oriental. Et c'est le moins cher des deux. Oh, bah alors là, évidemment, on saute sur cet enfer. Bibelot, turquoise oriental. Noir, bah ok, non, évidemment, non. En plus, c'est moins cher. 4 euros d'économie, c'est vraiment incroyable. Bougeoir. Très bien. Formidable. Canapé d'angle. Turquoise, ils veulent du turquoise. Et il est moins cher. Ok. Non mais là on va craquer leur PEL là. Enfin je sais pas qui c'est qui paye. Je pense que c'est la... Je pense que c'est M6 qui paye. Enfin j'espère. J'espère. Oui, on va reprendre les mêmes. Les rideaux pas chers. S'ils sont pas contents, c'est pareil. Marron oriental. Attends, ils voulaient du rose ou pas? Non. Ils veulent du marron par contre. Ah, pour 4 euros ça va. On a fait 4 euros d'économie sur les. Je sais pas quoi avant là, donc voilà. Meuble TV. Noir. Il était pas noir, hein. Ah, ça c'est un meuble noir. Ah, d'accord. Ah bah, heureusement que ce sont des experts en décoration. Parce que ça, apparemment, on vient d'apprendre que c'était un meuble de couleur noire. Eh bien, écoutez, heureux de l'apprendre. Et écoutez, vraiment, on dormira moins con. Formidable. J'ai un peu l'impression qu'on se fout de notre gueule, quand même. Ok. Ah non, j'ai dépensé beaucoup moins que ce que je pensais. D'accord. Ah, ils sont contents, là. Et en plus, on leur fait faire des économies. C'est fou, quand même. Les travaux commencent. Nous allons placer les membres de l'équipe dans les différentes pièces. Très bien. Bon, mes chéris, on y va. Ok. Sélectionne un artisan. Lui, il s'appelle comment déjà? Ah oui. Ah non, non, d'accord, ils avaient pas de nom avant. Il s'appelle Jamel et elle, c'est Nora. D'accord. Premier, quoi, premier? Une pièce à rénover. Allez, le salon, admettons. Faire de la peinture ou pas? Je ne sais pas. On met les deux dans la même pièce? Ou un dans chaque? On peut pas mettre les deux dans la même pièce. Et moi, je fais quoi? Bon, qu'est-ce que je branle? Attends. Bricolage, plomberie, électricité. Peinture, nul à chier. Et elle sait faire que de la peinture. Très bien. Du coup, non, on va faire ça. Ça et ça. Voilà. Ah non, moi je suis à combien, moi? Peinture, découpage. Ah, mais je suis plus la merde, en gros, hein. C'est un peu ça l'idée. Ok, d'accord, très bien. Ah non, ça c'est ce que demande la enfin, les critères requis pour chaque pièce. Ah d'accord. Mais c'est du foutage de gueule, non? Ah non, d'accord, il n'y a pas de spécificité en fait sur quelque chose. D'accord, j'ai rien dit en fait. Attends, bah si. Mais Jamel, il a des capacités et pas les autres. Alors merde. Alors je me dis à un moment, on se fout de notre gueule. Du coup, on va mettre Jamel dans la chambre adulte. Et nous, on va rien branler dans le salon. Voilà.
Bon, pour commencer, essaye d'obtenir une belle couleur, sable, pardon. Mélange les pigments pour obtenir la même couleur que celui que celle du pot à gauche. Prends des doses de pigments avec la truelle et mets-les dans le pot de peinture. Mélange la peinture avec le bâton. Ok. Alors, il me faut une belle couleur. Oh putain. Quoi, j'en ai plus? Attends, mais il faut que je mette quoi d'autre comme couleur pour avoir une belle couleur sable? Ok. Très bien, je suis content. D'accord. Qu'est-ce que je sais pas ce que j'ai fait, mais apparemment c'est bien. Je sais pas ce que j'ai fait, mais après ça le fait. La couleur est parfaite, il ne reste plus qu'à peindre. Peins la zone qui clignote sans déborder. Utilise le rouleau pour les grandes zones, le petit pinceau pour les détails et l'éponge pour effacer. Attends, ok, trempe régulièrement ton outil. Très bien, nous allons tremper l'outil, puisque c'est ce que nous demande... Ah ouais, je peins la fenêtre, MDR. Voilà. J'ai bien trempé mon outil, là. Mais c'est bien, on peint la fenêtre, c'est très intelligent, ça. Ah, voilà. Ah, on peint le radiateur aussi. Et on peint le sol. Voilà. Comme ça, ce sera très, très monochrome. Voilà, c'est l'objectif. Trempons l'outil. Tu fous de ma gueule, là, ou quoi? J'ai trempé l'outil, alors te fous pas de ma gueule. L'éponge, elle sert à quoi? Ah ouais, en fait, non, il fallait pas. C'était pas une bonne idée. Ok, non, mais il faut. Ouais. Et putain, mais. Mais tu te fous de ma gueule là. Sinon on va y aller au pinceau. Easy. Non, c'est de la merde. Non, il faut que je trempe mon outil encore une fois, évidemment. C'est bien connu. Attends, je crois que quand on sélectionne un autre outil, ça reset les stats de l'autre. Genre je fais ça. Paf. Ah ouais. Ah ouais. Oh, technique de speedrun. Oh putain. Ah oui, oui, oui. Ah oui, j'ai trouvé un bon truc là. Ah ouais, attends, paf. Boum, allez. Putain, mais tu te fous de ma gueule, tu veux pas peindre là? Allez, putain. Ah oui, ça, vous voyez extrêmement mal. C'est vrai. Voilà, je vais faire ça, ce que j'aurais dû faire depuis 8 jours. Effectivement, c'était une bonne idée. Ah mais en gros, quand je suis là, il me dit, non, c'est pas bien, Nictaras. Ok. Du coup, on fait ça. On étend un petit peu le radiateur. La fenêtre. Oh merde, j'en ai foutu sur le mur. Oh merde. Oh le con. On va nettoyer un petit peu le sol. Hein. Et l'éponge, elle, on n'a pas besoin de la foutre nulle part. D'accord, elle doit être gorgée de merde, mais d'accord, très bien. Alors, au pixel près, je crois qu'ils vont pas nous faire chier quand même, hein. Ils ont qu'à nettoyer eux-mêmes, déjà qu'on leur paye. On leur paye déjà la déco, en plus, voilà, ils vont pas nous faire chier. Hein. Ah, mais c'est pas précis aussi! C'est pas précis cette merde aussi, putain! Oui, bah t'as plus le temps, oui, bah écoute, hein. Je suis pour rien, moi. Hein. J'ai fait comme je pouvais, j'ai trempé mon outil à chaque fois, comme tu me l'as demandé. Très bien, on va nettoyer la fenêtre un peu. Parce que la fenêtre beige, ils vont être un peu surpris quand même. Ils vont dire, tiens, on voit plus. Il n'y a plus de fenêtre, hein, c'est bizarre. Non mais c'est bon là. C'est bon là, c'était déjà très très long et chiant. On peut en rester là. Oui, c'est la fin du temps réglementaire, très bien, on est content. Quoi, dommage. 98%, t'es pas content? Oh, mais ma bite! Putain!
D'accord. Ok. Ah ok. Alors Jamel, on laisse tout seul. Il est en retard. Ah bah bravo. Bah ça c'est du beau boulot. Maintenant, nous allons assigner les membres de l'équipe dans les différentes pièces. On l'a déjà fait, ça, hein, c'est pas grave. Ok. Ah non, moi je refais pas la peinture, hein. Ok, découpage, bricolage, je vais aller dans le salon. Donc, lui, il se démerde. Là, voilà. Elle, elle a pas de stats. Donc, Ah, mais attendez. Oui, non, 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 il faut mettre quelqu'un, parce que voilà, parce que Valérie, hein, elle galère un peu. Clou le plus vite possible, tape sur la tête du clou avec le marteau quand la jauge est en haut. Si tu tords le clou, utilise la tenaille pour l'arracher. Si tu te tapes sur les doigts, souffle dessus. D'accord. Ah, attends, what? Je dois faire quoi, MDR? Aïe! Il faut souffler. Comment on souffle? Ah, dans le micro. Merde. On va recommencer. Hein. Merde. Comment on fait? Je sais pas. Si je fais ça. Non. Faut souffler. Mais attendez. Est-ce que... Merde! Est-ce que mon micro est configuré sur l'émulateur? J'en sais rien, en fait. Mais je crois que c'est possible. Oh, putain. Config. Des contrôles. Oh, bordel. Je ne sais pas ce que je fais. Oh, merde. Microphone settings. C'est le microphone connecté à votre ordinateur. Et voilà! Regardez! Je vais brancher celui qui est sur mon casque. Attendez. Attendez. Ah merde, mais c'est pas le bon sur XSplit. Alors, relançons le jeu. Du coup, l'émulateur a crash. Mais j'ai configuré le micro. Ça devrait le faire. Relançons. Ça devrait bien se passer. Ah, déjà on peut reprendre la partie. Et ça c'est bien. Et ça c'est très bien. Est-ce qu'on la reprend là où on en était? Après-midi, c'était le matin la fois d'avant. Oui, c'est ça, c'est ça, c'est la même chose qu'avant. Parfait. Alors, on va prendre lui parce qu'en fait, en bricolage, visiblement, nous sommes des grosses brêles. Donc, on va faire ça. Ok. Ah, mais c'est pas la même chose! Merde, je dois faire quoi? Oh merde, c'est pas le même jeu! Ah putain! Je savais pas! Ah, mais merde! Mais c'est quoi ce truc? C'est une selle de vélo ou quoi? Et je le fais bien là. Je le fais bien sauf que... Ah voilà. C'est pas une bonne idée. Hein. Ouais, non, je sais que c'était pas une bonne idée. Voilà. Oh, j'en ai foutu partout, putain. Vous savez quoi? Regardez. Regardez. Hop là. Là, ça va bien coller. Là, il pourra pas me dire que ça colle pas. Et nique sa mère. Voilà. Ah. Ah, il faut mettre le truc qui colle dans le seau, bien sûr. Évidemment, c'est en le mettant dans le seau qu'on le recharge. C'est bien connu. Ah, il y a un pinceau. Il sert à quoi, le pinceau? Ah non, d'accord. J'aurais peut-être pas dû faire comme ça. Hein. C'était peut-être la pire idée de ma vie, en fait. Potentiellement. Oh, je m'y prends tellement mal. Oh, mon Dieu. Mais genre, on peut en mettre à côté, regarde. C'est complètement con, moi. Sérieusement. Et c'est quoi ce bruit horrible? On dirait un animal qui décède. Bordel, faut en remettre, hein. Ouais, t'inquiète. T'inquiète, on est bon là. Ça colle, je te dis. Faut mettre de la peinture, mais où? Tout autour ou au milieu? J'en sais rien. Ah, 66%. Visiblement, j'ai fait ça au bon endroit. Je pense. Rien en fait. Vise le plus vite possible. Choisis le bon tournevis. Il y a des lettres qu'on voit très mal. Choisis le bon tournevis, puis sous le point vert. Suis le point vert. Oui, c'est ça. Puis suis le point vert jusqu'à ce que la vis soit vissée. Change de vis quand il y a plusieurs vis. Attention, certaines vis se dévissent toutes seules. Pourquoi ça? Matos de merde, c'est ça? Hein? Voilà, partenariat IKEA de mon cul, hein. Faire quoi? Faire ça? Bravo, c'est magnifique. J'ai fait quoi là?
Mais j'ai fait quoi? Je sais même pas ce que j'ai fait, mon gars. Ah, tout le monde a de l'avance, incroyable. Ça, c'est parfait. Ok, très bien. Alors, qu'avons-nous à faire comme travaux? Peinture, on a déjà fait peinture. Ah non, peinture, ça me prend à la tête et plus encore. Donc non, on va aller dans le salon. Mélange les pigments pour... Oui, bon, ça, merci, on connaît, hein. Oh merde, c'est quoi la couleur? Ah, je sais qu'ils veulent du turquoise quelque part. Ouais. Ouais. Voilà. Très bien. C'est fini ou pas? C'est rien, mon gars. Ils veulent du marron? Ça va faire du vert là. Bah oui, c'est dégueulasse. Et mais je ne sais pas. Rouge plus vert, ça fait marron, on est d'accord. Enfin rouge. Magenta. C'est du marron ça, on est d'accord. Merde. Non. Oh le con. D'accord, c'était pas une bonne idée. Attends. Voilà, on va faire comme ça. C'est ça? C'est... Ah non, il fallait du beige crème. Je n'ai pas fait exprès de gagner. Ok, pas la zone glignote sans déborder. Oh non, ça me fait chier ça. Oh non, c'est bon ça. Oh non, on va finir par le truc le plus chiant. On va essayer de le faire bien cette fois-ci. Ah oui, genre là ça va pas. Oh putain. Ah oui, c'est vrai que oui, on va pas peindre la plinthe. D'accord, très bien. Mon dieu. Mais j'ai rien. Mais putain. Mais elle fait 1m12, Valérie Damido, comme si elle pouvait atteindre cette hauteur-là de toute manière. Putain. C'est mensonger. On vous ment. La télévision, les médias. Ah ok, c'est bon, j'ai compris comment on fait pour recharger l'arme. Ok, comment on fait pour mettre un coup de crosse? On peut pas? Ah, déçu. Oh putain, merde. Bon, l'important... c'est de tout peindre à l'intérieur. En foutre à côté, on s'en branle total. Voilà. Voilà. On s'en fout, il y en aura sur la fenêtre. Eh bien, écoutez, hein, mieux vaut trop que pas assez, hein, comme on dit. Ouais. On a 100% là, ma gueule. Y'a pas un pixel, c'est pas bon, hein. Eh mec, j'ai fait tout ce qu'il fallait, mon gars. Alors là franchement. Quoi, dommage. 96. J'étais à 98 avant alors qu'il y avait plein de pixels. On voyait, c'était pas bon, foutage de gueule. Bon, on n'a pas tout changé en 4 jours. Il fallait 7 jours. Bon, au final, le micro, on s'en fout. Dommage, on n'a pas réussi à planter des clous. En tout cas, c'était... comment dire? C'était un très bon jeu vidéo, je pense qu'on peut le dire. Je pense que ce jeu a la place dans le Let's Merde. En tout cas, on remercie Jamel et Nora pour leur travail, et pas Valérie. C'était vraiment un excellent RPG, je pense. N'hésitez pas à me proposer vos meilleurs jeux tels que Déco, tels que... Alors, Bienvenue chez H.T. il marche pas sur l'émulateur. Je sais pas pourquoi. Je voulais vous le faire, Bienvenue chez H.T. mais il marche pas sur l'émulateur. Donc c'est un petit peu dommage. Si vous avez des jeux bien, bien pourris à me proposer, n'hésitez pas, vous me le dites dans les commentaires de la vidéo. Et je vous dis rendez-vous dimanche prochain pour le prochain Let's Merde. Salut tout le monde. Thank you.